Je remercie le bon Dieu d'être sur mes deux pieds et je ne pouvais pas manquer donc ce congrès-là parce que quand même c'est un départ et une arrivée. Un départ d'un garçon très engagé et l'arrivée d'un jeune encore plus engagé, Komar Badji. Et curieusement, je ne sais pas ce qui se passe à Kaolack, parce que tous les deux viennent de Kaolack. Avant de continuer, c'est vraiment saluer nos camarades syndicalistes, je ne dirais pas de l'étranger, mais de l'Afrique, du nord comme du centre, comme du sud, de l'est, de l'ouest. Nous avons été toutes nos jeunesses des panafricanistes. Je pense que nous allons mourir panafricanistes. Donc vous êtes les bienvenus, encore une fois chez nous. Merci. Je vais essayer d'être peut-être moins performant que Gabou. Parce que Gabou et Aïdara, ils ont tout dit, et le rapport de Babacar, vraiment un rapport très profond. L'organisation, je la constate ici. Nous n'avons pas regretté de donner le flambeau. Parce que le flambeau, il est là. Vous l'avez perpétué. Donc l'organisation, c'est la fierté pour nous de vous l'avoir laissé. De grâce, ne la lâchez jamais. Et ça, il faut rendre hommage un peu à la direction générale. Parce que ce qui se passe à la Sonatel, ça ne court pas les rues, ça ne court pas les entreprises. C'est le résultat du dialogue social. Avant qu'il soit formalisé et maintenant qu'il est formalisé. Donc d'abord, vous êtes de la relève managériale. Il ne faudrait pas que cela se rétrécisse. Cette organisation, c'est deux volets, le contenant et le contenu. Le contenant, c'est la Sonatel. Quand il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de syndicat. Donc l'entreprise est la primauté de tout. C'est dans l'entreprise que se crée la richesse et se répartit la richesse. Dans cette entreprise-là, le contenu, c'est maintenant le management, les syndicats et les autres amicales. Et nous les avions conceptualisés. Vous me direz que je m'attarde sur le passé, en deux termes, patriotisme d'entreprise, patriotisme économique. Patriotisme d'entreprise, aimer l'entreprise comme sa patrie, dans laquelle le manager et le salarié ont des droits et des devoirs. Il n'y a pas de sous-citoyen dans une entreprise. Nous ne sommes pas dans une logique de bunker ou de lutte de classe dans une entreprise. Certains essaient de transmettre comme cela. Mais l'entreprise, c'est un lieu de partage, c'est un lieu ouvert. Mais il ne faut pas avoir peur de la répression, il ne faut pas avoir peur du consensus. Mais je lui ai dit, même si vous devez avoir un consensus, il faut plébisciter ce consensus. Allez, retourner la parole à la base pour dire que nous sommes réunis, les sages, etc., etc. Voilà ce que nous avons décidé. Mais nous vous le soumettons. Il ne faut jamais décider à la place des travailleurs. Parce qu'un travailleur doit reconnaître sa responsabilité dans l'élection d'un responsable. Et un responsable doit comprendre sa légitimité par le vote des travailleurs. Si aujourd'hui vous ne dégagez pas une synergie entre la Sonatel et les filiales, c'est sûr et certain que les gens passeront sur vos cadavres. Ça demande beaucoup de réflexion. Ça demande beaucoup d'expertise. Donc faites très attention. L'organisation également, nous, on est anciens, on est partis. Mais on est là. Pour vous conseiller, en fonction de la théorie Manding du Kurt Fundo. Le Manding dit Kurt Fundo n'a pas l'eau tuée, si l'eau tuée. Hein, quand on a entendu le bas. Mais non, malgré tout, tu veux le seul. Vous consolez mon hormal, le bengé de l'Itaki Jawar, vous avez une petite birnini. Vous ne pouvez pas se dire que c'est mieux. Le Fandang, Donc voilà en gros les mots que je voulais lancer. Le télétravail, tout ça là, je laisse ça au Aïdara, les gars, vous savez, donc moi, je crois à la lutte syndicale, mais la lutte intelligente, la mobilisation. Les jeunes là, ne les laissez pas être aliénés par la révolution technologique. Appelez-les avec vous, allez vers la base, discutez avec les gens. Il faut que le secrétaire général soit charnellement lié à sa base. C'est ça qui fait quand il y a besoin d'eux, tu dis on va en grève plus. Donc les jeunes,
rappelez-vous de ce message-là. Et encore une fois, c'est un message de naître de mémoire. Je vous remercie. Et je vous remercie.